Fraude est un club jodinois de passionnés de voitures américaines. Ancêtres ou contemporaines, celles-ci ont pas mal de chevaux sous le capot et de kilomètres d'asphalte dans les roues. C'est mon véhicule, c'est un Ford Ranchero 500 de 1974. C'est un V8, un 5 litres 7. C'est une Chevrolet Camaro de 1974 que j'ai récupérée il y a maintenant 3 ans, sur laquelle j'ai bricolé et j'ai tout fait moi-même pratiquement. Et voilà. Une passion qui prend du temps. Quand même, oui. Ça prend du temps, les week-ends, les soirées de temps en temps, mais c'est du plaisir, donc c'est pas vraiment un souci. Le club Rebel Offroad est ouvert à tous, il ne fonctionne pas sur le système de membres payant une cotisation, mais d'une façon plus libre où vient qui veut. Bruxellois, français, ils partagent une passion commune au sein du club Rebel Offroad. C'est un club qui est créé depuis 4 ans. Tout ce qui est basé sur l'Amérique, donc ce qui est véhicule, donc voiture, camion, moto, van, donc voilà. Alors, quelle marque est-ce qu'on retrouve ? Ça va de Chevrolet, Pontiac, toutes marques. Donc c'est ouvert, c'est vraiment ouvert à tout le monde ? Tout public, oui. Tout ce qui est américain est bienvenu chez nous. Alors c'est un peu le rêve américain que vous vivez lors de vos réunions ? Oui, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire et de faire partager aux autres, quoi, en faisant nos balades le week-end et quand il fait bon, bien entendu. On retrouve en général une vingtaine de véhicules lors des sorties remarquées. Des rebelles off-road, hommes, femmes, jeunes ou plus âgés, tous sont là dans un seul objectif, prendre un maximum de plaisir sur la route, au volant de leur véhicule américain. Nous essayons de faire le plus possible de balades. Donc nous allons à l'étranger aussi, on va vers la France, le Luxembourg, pour essayer de montrer nos véhicules, parce que c'est notre passion aussi. Voilà, c'est ce qu'on aime. Voilà, ouais, c'est ce qu'on aime. Votre passion pour les voitures américaines, comment est-ce que ça a commencé ? Bah, tout simplement avec les émissions de télé, les films, Retour vers le futur, Agence Touriste et tout ça. C'est pas compliqué. Alors vous êtes dans le club ici depuis combien de temps ? Bah, en fait, je connais plus tout le monde depuis plus ou moins 2 ans, mais le club, je suis dedans depuis 6 mois, quelque chose comme ça. Le meeting annuel de Rebel Offroad se déroulera sur le circuit de Jodine les 12 et 13 juillet prochains. Ce sont près de 200 véhicules américains qui sont attendus à l'occasion de celui-ci. Le meeting se passe donc le 12 et 13 juillet sur le circuit même de Jodine. Ça va être un rassemblement de voitures américaines. On va pouvoir, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on rassemble le meeting en même temps sécurité. Donc, il va y avoir une voiture tonneau, donc c'est-à-dire que la police viendra avec leur véhicule faire des démonstrations. Il y aura le touring assistance qui viendra pour inspecter les véhicules, pour voir comment elles se passent, si elles n'ont pas de soucis. Il y aura en même temps la désincarcération d'un véhicule par les pompiers. Et ensuite, il y aura d'autres événements, comme par exemple, il y aura un spectacle avec des oiseaux, ce qui prend plus ou moins une demi-heure, ainsi qu'un show moto et un concert. Pas mal de boulot aussi de ce côté-là pour organiser, je suppose. C'est toute une organisation, donc c'est clair que je crois que le meeting, on va plus le passer à organiser les choses qu'à pouvoir profiter. En fait, pour le meeting, ça nous prend presque toute l'année, quoi. Chercher les sponsors, les activités qu'on aura, ça prend assez bien de temps. Ouais. Ce week-end, le club peaufinait les moindres détails de cette rencontre entre passionnés qui s'annonce prometteuse en partant sur la route reconnaître le parcours de la balade du 13 juillet. L'objectif de la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'était ? En fait, c'est de se réunir. On a des amis français qui sont venus de Charleville. Et on a des bénévoles aussi qui sont venus. Et en fait, c'est pour donc montrer le site où on est et en même temps, pour déjà préparer le meeting, montrer aux bénévoles ce qu'il va falloir faire, comment ça se situe. Au final, cette passion est un mode de vie pour tous les membres du club Rebel Offroad de Jodine. En fait, comme c'est beaucoup de vieux véhicules, donc on n'est pas à l'abri d'une panne, donc c'est pratiquement chaque sortie, il y a toujours un véhicule qui tombe en panne, donc c'est réparé sur la route. Voilà. Finalement, c'est un peu un mode de vie pour vous, cette passion. Ah, tout à fait, c'est complètement un mode de vie, on vit pour ça et on s'amuse pour ça.